Dieu. Parti civil République démocratique du Congo contre M. Mangatutu Isidore et le commissaire principal M. Chamalé Roy Balike Robert. Honorable Mangatutu, comparé par ses conseils habituels, Maître Kalumba Diongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Dita Yekouli, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Aujourd'hui, nous allons y aller méthodiquement. Nous allons poser encore, parce que cette question n'a pas été totalement épuisée la fois passée. Il y a certaines questions de précision qui seront posées au président Mangatutu. Et la haute cour va aussi appeler le prévenu M. Chamalé pour me poser quelques questions, parce qu'il a comme l'impression qu'il est classé dans les oubliettes. Mais c'est dans un premier temps, dans un deuxième temps, nous allons revenir aux demandes qui sont déposées par les deux prévenus à la haute cour, et ils vont exposer leurs moyens. Dans le poursuit va réagir. Et nous allons clôturer cette question-là. Voilà comment nous allons procéder aujourd'hui. Est-ce que toutes les parties peuvent rassurer leur coup qu'elles ont pris connaissance des pièces ou des copies de chaque fois? Monsieur le directeur général, nous n'avons pas pu avoir connaissance de toutes les pièces du dossier. Nous n'avons eu qu'à inventorier le nombre de pièces contenues dans les différents rapports qui, au total, s'élève à 543 pièces. Nous avons pu prendre 2 heures du temps avec la greffière siégeante. Et il était question pour le greffe de nous tenir les frais relatifs à la photocopie et aux frais de lever copie moyennant note de la DGRA avant que la greffière principale, en chef s'il vous plaît, n'en certifie conforme. Voilà la connaissance parfaite du transport. Et le contradictoire est respecté dès lors que vous avez entre vos mains la pièce avec une possibilité d'amplifier ou de réagir. Des deux, la RDC considère que nous sommes en matière de flagrance, on prend connaissance des pièces sur les lieux ou sur les bancs. Nous sommes disposés, pour autant que nous n'allons pas plaider aujourd'hui, nous allons prendre connaissance des pièces avant vendredi,
Mais tant pour la partie prévenue de s'en servir d'abord, nous nous sommes partis civils, greffés à l'action du ministère public, nous allons prendre connaissance des pièces même sur le pont. Nous avons dit. Bien. Déjà, bien avant, on avait compulsé les dossiers et à la demande faite par notre co-prévenu, nous ne nous sommes pas passés. Surtout que dans les 500 et quelques pièces-là, il n'y en a que deux qui nous concernent. Nous avons vu qu'il n'y a que deux pièces qui nous concernaient et comme on l'avait déjà compulsé, alors nous sommes disposés à en découdre, mais sinon, pour les besoins de s'enrichir, nous pouvons toujours les 500 pièces autres qui ne nous concernent pas là en prendre connaissance. Stade actuel, parce que l'instruction va concerner certaines pièces du dossier que nous voulons présenter à votre client pour qu'il puisse s'expliquer dessus. Êtes-vous disposé à aborder cet aspect du débat? À ce stade, il nous est difficile vraiment d'aborder cet aspect du débat, d'autant plus que nous n'avons pas encore examiné ou obtenu les pièces. Merci. De répondre, nous ne voulons pas énerver les droits de la défense. Ils sont sacrés. Nous allons laisser le temps. Ce soir, avant vendredi, vous aurez terminé avec la prise de connaissance ou la levée de copie pour nous permettre d'aller de l'avant. N'oubliez pas que nous sommes en procédure de flagrance. Entendre un peu le prévenu Moucha Maliro. Je fais ma formation policière, la formation de base au centre d'instruction Gilles Monté à Bukavu. Après avoir fait, c'était en 2009, 2009, ok. Après avoir fait ma formation de base, j'ai été affecté au groupe mobile d'intervention à Bukavu, GEMI. Et à la même année, j'ai été récupéré comme secrétaire au P3 à la province du Sud-Kivu. Après, j'ai fait la formation de la sécurisation de l'installation du cadre, toujours au CI Jules Monquet, aujourd'hui école de police et Monquet Bukavu, où j'ai obtenu mon certificat et j'ai été affecté comme commandant centre de négoce de Mugogo en territoire de Walungu. Qui n'avait pas malheureusement fonctionné. Et on m'avait retourné à la province. J'étais affecté comme chef 3 bataillon police des mines en province du Sud-Kivu. En quelle année là? C'était en 2012, l'état-major était basé à Kamituga, à territoire de Mwenga. En 2013, j'ai fait la formation en technique d'enquête judiciaire en matière de violence sexuelle. J'étais toujours au CI Jules Monquet. J'ai obtenu mon certificat. À la même année, j'ai été affecté comme commandant détachement. À l'époque, c'était des commandants compagnie en territoire de Walungu. Donc, détachement police de mine en territoire de Walungu. Mon état-major était à Zibira et puis à Mukungwe. En 2014,
j'ai suivi la formation des formateurs en matière de mines, formation des formateurs de police à l'école de police Mokunga, où j'ai obtenu mon certificat comme formateur de police. Après avoir eu mon certificat, j'ai été retenu parmi les formateurs qui avaient formé la promotion de police de mines. Là, nous sommes en 2014. Je suis rentré aussi au Kivu. J'étais envoyé à Mississi comme commandant section police des mines à Mississi Centre. Là, nous sommes en territoire de Kivu. Pendant que j'étais à Mississi, j'ai été affecté par l'arrêté ministériel comme commandant escadron adjoint police des mines en territoire de Massissi, en 2014. J'ai quitté ce Kivu pour venir travailler à Massissi au nord comme commandant escadron adjoint. J'ai travaillé là. Pendant que j'étais commandant escadron, en 2018, je suis allé à Kisangani pour encadrer les policiers, les élèves policiers qui étaient formés au centre, au Seyiloukoussa, parce que nous avions des policiers qui étaient à Kapalata et les autres étaient à Loukoussa, les élèves policiers. Donc j'étais parmi les formateurs qui avaient formé ceux qui étaient à Loukoussa. J'étais rentré en 2020. Non. Donc quand je suis rentré, on m'avait donné une mission de déployer le matériel de la CENI à partir de Nord jusqu'à Nipuri. De mon retour, en 2020, j'étais envoyé à Massissi encore, donc dans mon unité, mais cette fois-ci comme commandant détachement adjoint à la société minière de Bisunzu, SMB. 2020-2021. C'est là où j'étais envoyé comme commandant adjoint. J'étais venu comme commandant adjoint où j'ai remplacé le commissaire principal, la Hermes Kimbo, à ses postes. Entre 2021 et 2022, j'étais retenu comme le commandant titulaire à ces mêmes postes. Et là, j'avais remplacé le commissaire principal, Sadiki, qui a son âme parce qu'il était de ses questions. Donc, c'est vous êtes arrivé à Bisunzu d'abord comme commandant adjoint, par lequel vous avez été affecté à Bisunzu comme commandant adjoint d'abord. Par un décret de service signé par notre commissaire provincial de la police. Il s'appelait comment? Il s'appelle Abba Van. Abba. Y a-t-il eu un document ou bien c'était verbalement? J'ai un décret de service qui me reprend comme commandant titulaire, signé par la même autorité politique.
bulletin de service est un acte de désignation ou un acte de, d'exécution? On vous envoie pour accomplir. Je pense que comme c'est cette une mission dans la même unité où j'ai fait affecter, c'est un acte qu'on nous donne, qu'on envoie pour exercer une mission bien déterminée. En poste, il faut un acte de désignation. Un bulletin de service est un acte d'exécution d'un service déterminé. C'est là la différence. Je ne sais pas si à la police, les choses se passent. Commandant. Oui. Commandant. La référence, station en tant que commandant. C'est une référence. La référence, c'est un peu difficile de la retenir dans la tête. Et comme je suis là, je n'ai pas encore accédé à toutes les pièces qui sont nécessaires pour mon dossier. Donc vous êtes à Abissouze comme commandant police civile, c'est ça? Pour dire, préciser à la haute cour la quintessence de la mission qui vous a été confiée. En quoi consistait la mission, votre mission? La mission est bien claire sur mon bulletin de service. C'est la sécurisation des installations de la SMB. C'est faire rapport à la hiérarchie. À votre disposition, vous aviez combien d'hommes? J'avais 70 hommes en général. Pardon? 70 hommes en général. À votre niveau, est-ce que vous pouvez produire un document attestant que vous avez sous votre charge, sous votre responsabilité, 70 hommes de troupes pour la sécurisation de la SMB? Vous pouvez le produire? J'ai fait le produit en général. Ici à Kinshasa ou la VLCO? Oh, je pense qu'il y a un document qui est déjà. C'est parce que j'avais demandé à mes avocats de chercher comment contacter mon secrétaire pour qu'il puisse lui envoyer un document. Et les autorités signataires de ces documents, avez-vous les noms? Le ou les noms? Pour se figurer sur les documents sont signés par le commissaire divisionnaire âgé à Bavan An, François Xavier. Il est le commissaire provincial de la PNC Nord-Kivu, contresigné par Bongo Ouitema Joseph Odofor, commissaire supérieur principal, chef de département sécurité publique de Nord-Kivu. Et le titulaire? Il est titulaire. Les pièces du dossier renseignent qu'il y a un contrat de gardiennage signé entre la police et la SMBI. Contrat justificatif de la présence des membres de la police sur le terrain. Est-ce que vous avez eu vent de l'existence de ce contrat? Je n'ai jamais accédé à ce document. Vous étiez à Bissouze là-bas. Vous dites que vous aviez 70 hommes. Quel type d'armes aviez-vous? Les armes que j'avais rencontrées dans les détachements quand je les pris, c'était des armes AK-47. Il y avait aussi des armes anti-émettes. Des cougars, donc des armes de policiers. Pour une idée sur la quantité, parce qu'en tant que commandant, vous avez donné la qualité, mais la quantité, il y en avait combien? Les AK combien? Nous avions deux cougars, 63, si je ne m'abuse pas, AK.
pas aux effectifs. Donc les armes étaient que la quantité était inférieure à aux effectifs à vos dispositions. C'est pas tout le monde qui portait l'arme. Et vous avez une idée sur les munitions, armes 63, et munitions en avait combien? Je n'ai pas totalement l'idée sur les munitions. Votre séjour là-bas, de 2020 à 2023, vous êtes parti de là 2023, au mois de février, janvier, mois de février, 2023. Oui, mon général. D'accord. Et avez-vous eu l'occasion d'utiliser ces armes-là qui étaient mises à votre disposition? À un moment donné, on les avait utilisées pendant qu'on avait des attaques contre les attaques des bandits armés. On les avait utilisées. Donc, si vous aviez utilisé des armes, tant de munitions utilisées, il nous en reste autant pour qu'on puisse renforcer. Vous n'avez rien fait. La période qu'on avait utilisé ces armes, j'étais à Jouet. Il y avait mon titulaire qui faisait ce boulot. Parce que c'est l'année 2000 là qu'on les avait utilisés. Des fois, j'avais participé. Et au nom du principe de l'unité de commandement, vous étiez censé connaître la situation parce que vous êtes second. D'ailleurs, dans les unités, les agents sont souvent chargés de l'administration et de la logistique. Excusez-moi que depuis que je suis ici, comme je le disais tantôt, je n'ai pas encore accédé à cette unité. D'accord? Vous avez accédé au commandement en tant que titulaire en quelle date? Je pense que c'était au mois de... pas du mois de mai 2020, ça y est. Mais je dois encore vérifier mon journal parce que... De mai 2021 à février 2023, vous n'avez pas encore pris connaissance des documents qui concernent votre unité, qui concernent la dotation. Il y a des documents qu'on a fait, mais ça me demande de les vérifier pour que je puisse me rappeler de tout ce qui était écrit et pour donner la réponse qui est juste par rapport à ça. Chargé de la sécurisation de la SMB. Est-ce que pendant tout votre séjour là-bas, vous aviez, parce que vous êtes poursuivi en complicité avec l'honorable Mangatu, l'avez tenu pendant tout votre séjour à Bissau? Pendant mon séjour et en dehors de Bissau, je ne l'avais pas connu, mon général. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Oui, mais pas le connaître. En quels termes avez-vous entendu parler de lui? Vous avez entendu son nom en tant que qui? Je l'avais entendu comme honorable Mangatu de Massis. Comme tous les honneurs de Massissi. Point barre. Mais aussi, dans le périmètre où j'ai sécurisé, il y avait une mine qu'on appelait chez Mangatu. Une mine qu'on appelait chez Mangatu. Oui, mon général. Votre pouvoir de sécurisation s'étendait aussi dans cette mine-là. Cette mine, oui, c'est pour dans le périmètre que nous sécurisons. Et vous déployez vos hommes dans ce petit ressort-là? Non, on ne déploie pas les hommes là-bas parce que... Donc on ne déploie pas les hommes. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de votre mission. Parce qu'il n'y avait pas des activités.
cette mine de chez Mwangatutu. Entendez ce nom, lui, c'est Mwangatutu. Honorable, est-ce que vous connaissiez d'autres personnes qui s'appelaient Mwangatutu? À part lui, je connais un DG qui était le DG de la société qu'on appelait Ben Mwangatutu. Était responsable. Était-ce le même secteur d'emplacement de la mine dénommée chez Mwangatutu ou bien c'était ailleurs? Normalement, il y a un périmètre d'exploitation. Il y a plusieurs sites d'exploitation, plusieurs mines. C'est dans le même périmètre où il y avait cette mine qu'on appelait chez Mwangatutu. J'ai entendu à Goma et vous avez dit que vous avez cherché à rencontrer l'honorable Mwangatutu à Goma, mais sans succès. Vous voulez le chercher pourquoi? Mon général, je l'avais cherché d'abord comme député du milieu et surtout j'étais curieux quand on disait chez Mwangatutu. Comme cette mine était dans le périmètre que je sécurisais, je voulais le rencontrer parce que nous avions un problème de paiement là où nous travaillons. Vous vouliez aller lui poser le problème de paiement alors que vous n'avez aucun rapport avec lui? Je voulais, étant comme député du milieu, et comme on parlait de cette mine Mwangatutu, savoir s'il pouvait intervenir. Intervenir pourquoi? Vous ne travaillez pas pour lui. Il est un bon samaritain. Mon général, passons aussi de me rassurer, même de ce nom qu'on appelle de chez Mwangatutu, parce que s'il me recevait, ça pouvait me donner l'idée et savoir si réellement c'est sa mine ou ce n'est pas sa mine. Chez Mwangatutu ne vous concernez pas, vous n'y déployez pas les hommes, vous déployez vos hommes ailleurs. Tantôt vous dites non, je cherchais à le voir à Goma parce que nous avions un problème de paiement alors qu'on n'avait aucun rapport avec. J'ai été clair, mon général. Je disais qu'on ne déployait pas là-bas parce qu'il n'y avait pas encore les activités. Mais cette mine se trouve dans le périmètre que nous étions en train de sécuriser. Si on n'y envoyait pas les gens, c'est parce qu'il n'y avait pas des activités. C'était ce que j'ai dit en général. L'honorable Mwangatutu, à Goma. C'est à Goma, non? À Goma, mon général. Pourquoi? D'abord, pour que je puisse savoir réellement, comme cette mine est dite à son nom, et comme nous avions aussi le problème de paiement, s'il pouvait peut-être en tant que député nous aider à plaider notre cas auprès de cette société. Et surtout que on parle de la mine Mwangatutu, et ça s'est trouvé dans le périmètre que nous étions censés de sécuriser. Que vous sécurisiez était une société privée, n'est-ce pas? Une société privée ou de l'État? Elle appartient à une personne, n'est-ce pas? Si. Ok. En quoi un honorable député peut-il intervenir dans la gestion d'une société privée appartenant à une personne autre que lui-même? Je fais bien clair, mon général. Je disais, il y a une mine dans le périmètre que cette société gère, qu'on appelle chez Mwangatutu. Et comme nous étions en difficulté, on devait porter sur toute porte pour voir si notre sort pouvait être détenté.
une société minière. Vous avez aussi le devoir, de par vos charges, de récolter tous les renseignements nécessaires pour informer votre hiérarchie. Selon vos renseignements que vous avez recueillis, vous, cette société-là appartenait à qui? Mon général, depuis que je suis dans cette société, je voyais que des DG, on me disait que la société, c'est pour les DG tels Mangatutu. Selon les renseignements que vous avez vus, obtenus sur place, qui est Ben Mangatutu par rapport à l'honorable Mangatutu? Bien dit, Ben Mangatutu, selon les informations que nous avons eues, c'est un frère à l'honorable Mangatutu. Comment la haute cour militaire peut-elle interpréter le fait pour vous d'aller voir l'honorable Mangatutu pour un problème d'impayement des agents de l'État affectés à la sécurisation de la mine de son frère, alors que son frère est là et vous ne l'avez pas vu? Comment la haute cour militaire peut-elle interpréter votre comportement? Je ne peux pas apprendre la haute cour comment interpréter ça, mais je pense que si je suis allé là-bas, c'était parce que j'étais déjà fatigué. Et par curiosité, il fallait que moi aussi, comme vous le dites, j'ai la précision sur ce qui est Mangatutu par rapport à cette île. Sinon, comme vous l'avez dit, quand on travaille quelque part, on doit se renseigner et savoir qu'est-ce qui se passe. Et comme il ne m'avait pas resté, j'ai quitté, me disant que peut-être ce que j'ai pensé, ce n'était pas ça. De la police, n'est-ce pas? Oui, mon général. Bien formé, n'est-ce pas? Si. Est-ce que c'est la SMJ qui était votre employeur ou c'est l'État congolais qui est votre employeur? Vous devez vous adresser à votre employeur ou à un partenaire. Et cette question, nous l'avons soumise maintes fois à notre hiérarchie. Ça n'a pas eu de solution. Est-ce que l'État congolais vous payait pendant tout votre séjour là-bas? Oui. C'est ça votre salaire? C'est ça votre salaire? Et sécuriser une société minière, et il n'appartient pas à la société minière de vous payer. C'est ça la logique, non? C'est une situation que j'avais... Vous avez créé là-bas. Que j'avais rencontré. Laquelle? Donc, les policiers qui étaient affectés là-bas, on leur donnait quelque chose pour la motivation. Combien? $100 par policier. Nous voudrions poser quelques questions au prisonnier M. Marie-Roi. Commissaire, commissaire principal. Oui, commissaire principal, M. Marie-Roi. Vous étiez au détachement, affecté au détachement SMB depuis quelle année? 2020. Oui, mon général. Et les effectifs de votre détachement comportaient combien de policiers? Les effectifs, je disais, comportaient 77 que j'avais hérité. Quelles armes? Quel type d'armes, je vous le préciser? Des AK-47 et Cougar. Je repose la question. Vous êtes policier, vous avez une très bonne formation. Vous avez décliné les étapes de votre formation. Je pose la question. Les armes que vous avez trouvées étaient une dotation individuelle pour chaque policier qui le ramenait de son unité d'origine, ou bien ce sont des armes que le commandement a affectées à l'unité, de sorte que quand il y a une mission, c'est vous êtes le responsable.
qui dispatchait les armes, qui fait dispatcher les armes, ou que chaque policier s'amène, quand il y a une mission, il s'amène avec son arme individuelle qu'il a depuis toujours. Dans la police, il n'y a pas ce système des armes individuelles. Vous le confirmez? C'est faux, c'est oui. Vous confirmez ce que vous venez de dire? Oui, je le confirme. Okay. Donc, c'est faux, dans mon unité, quand j'étais très loin, je disais dans l'unité que j'ai commandé qu'il n'y avait pas de système de l'arme individuelle. Ce que vous venez de produire révèle que lors de votre attestation, le 10 décembre 2021, vous étiez, ainsi que le révèle la liste des policiers en détachement à la SNB, vous étiez doté individuellement de l'arme CDPN 69-264. N'était-ce pas une arme individuelle? Quand on faisait les unités de service, on mettait les noms de l'utilisateur, d'un policier à cette arme. Mais si les policiers quittaient, l'arme restait et quand l'autre vient, c'est lui qui va l'utiliser. C'était seulement mettre sur les unités de service et quand on fait le. Qu'est-ce que je dis? Quand il y a relève, l'autre prend l'arme. Le bulletin de service renseigne qu'il y a une arme qui est dotée à un policier. Toutes les armes mises ensemble constituent ce qu'on appelle en jargon du métier la dotation organique de votre unité. C'est ça? Oui, bonjour. Alors, mais combien d'armes de dotation organique? Vous aviez combien d'armes de dotation organique? Je disais bien, à l'unité, nous avions 63 armes. 63. Monsieur le Premier Président, vous avez saisi la quintessence de nos choses. Je suis mort. Partant de ces bulletins de service qu'on a signé par la hiérarchie provinciale de la police, on indique que tel policier est détenteur de telle arme. Ça signifie que c'est une arme que le policier a amenée de son unité et cette arme-là reste à ses policiers. On ne peut pas dire que tout d'un coup, il part et que quand il est relevé, il laisse cette arme. Quand il est relevé, il rentre avec l'arme et même s'il faut donner à un autre policier, il faut un autre document indiquant que telle arme appartient à telle aide et de à telle policier. Monsieur le Premier Président, nous avons, quand nous faisions le rapport répondant aux devoirs fiscaux, nous avons parlé du comportement d'une négligence complice des autorités provinciales de la police dans cette affaire, dans ces dossiers. Le policier, le pauvre, bon, il dit qu'il ne connaît pas l'existence de ce contrat. Ça, effectivement, il est exécutant, il est sur le terrain, on l'envoie et on n'a pas à lui dire de ce que les autorités ont décidé au-dessus. Mais vous verrez que dans les différents contrats signés par les autorités de la police, toutes les autorités de filer là-bas. Les contrats portaient sur 40 et quelques policiers. Mais en réalité, lui, il dit qu'ils étaient 700. Ça signifie qu'il y avait un chiffre important de policiers là. D'où ils venaient, on ne sait pas. Officiellement, c'est 40 policiers qu'on affecte à la SNB. Alors qu'en réalité, ils sont 70. Ou 80 même. Nous continuons néanmoins avec des questions. Vous dites donc qu'on vous a consulté à cette bulletin de service, où même il est repris votre nom et l'arme que vous étiez censé détenir. C'est-à-dire que c'est votre arme
qu'il vente, qu'il neige, ça c'est votre dotation, armes, dotation individuelle. Bien que vous disiez le contraire. Nous continuons. Vous avez fait presque 2-3 ans dans ces détachements. Quelles sont les missions en vous affectant comme commandant de bâtiment pour votre hiérarchie vous a confié? Était bien clair, mon colonel. Sécurisation des installations de la SMB. Il était dit que je dois plus faire pour me rassurer que tous les policiers affectés là-bas. Affecté, missionné à la SMB, c'est le commissariat provincial. D'accord ? C'est le commissariat provincial. Oui, mon général. Mais comment pouvez-vous retourner les policiers qui, selon vous, n'avaient pas de numéro matricule à leurs unités respectives plutôt que de les envoyer au commissariat provincial, d'autant plus que c'est le commissaire provincial qui a signé le bulletin de service et la liste nominative des policiers qui devaient, ensemble avec vous, aller prester service à la SMB. Il y a un moment que les unités environnantes avaient envoyé des policiers en renfort dans notre entité. Et c'est à partir de ça que le commissaire provincial m'avait donné cette consigne. Donc, vous certifiez reprendre 79 policiers. C'est pourquoi, parce qu'il y a. Et vous allez trouver que dans ce bulletin de service, le nombre varie toujours. Toutes ces armes sont limitées. Et pour ce qui concerne les armes, nous avons un département qui est chargé de ça. Parce que, comme je les avais trouvés, c'est comme ça que je les avais utilisés, mon général. Le commissaire divisionnaire adjoint Abavan Han, François Xavier, signe un document, un bulletin de service, avec en annexe la liste des policiers en détachement à la SMB, liste qui reprend 79 éléments et qui mentionne à côté de chaque nom une arme. Alors que les armes n'étaient pas en sa possession lorsqu'il signait les documents, mais que les armes étaient à la SMB selon vous. Le département chargé de la logistique se trouve même à la province. C'est limité à ça qu'il n'était pas rentré dans le dépôt du territoire de Massy. C'est l'or. Mais je pense que celui qui est bien placé pour cette question, c'est le parlement du gouvernement. Vous avez la charge de sécuriser la société minière. Sans opérer un contrôle sur les armes. Parce que les armes qui ne sont pas marquées sont censées être des armes fixes. Vous avez attribué à la police. Pour preuve, ces armes-là ne sont pas sorties officiellement de... La liste d'armement, soit d'armement, qui a repris toutes les armes que vous voyez sur les... Qui donne l'ouverture, qui donne... Il nous revient que certains policiers qui travaillaient dans cette société venaient du Rwanda. On les faisait porter des tenues de la police et tous étaient payés par la SMB, 12 000 $ au total. Quand dites-vous, vous dites c'est faux. Je confirme qu'il y avait des policiers de morphologie rwandophone matriculés et payés régulièrement par l'État congolais. Confirmez-vous cela? Mon général, je confirme que j'avais dit ça. Vous arrivez, quelque part, on vous confie une unité. Vous arrivez, vous trouvez que dans cette unité, sur 50 éléments par exemple,
35 sont seulement des bâches. Sont des bâches, j'ai dit. Bâches, c'est une ethnie congolaise, n'est-ce pas? Vous trouvez que 35 de cette, 40 de cette unité sont constitués d'une seule tribu, d'une seule ethnie. Vous ne dites pas qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que vous nous avez appris le commandement et vous avez dit qu'il faut fédérer tout le monde. Ils ne font pas discriminer quelque chose. Mais à cette question, je voulais seulement vous dire que je n'ai pas commencé cette unité comme j'avais rencontré ces éléments. Je n'avais pas la force de dire que non, comme j'ai trouvé X ou Y, et je commence à faire la chasse à l'homme, dire que non, je ne vais pas travailler avec celui-ci ou celui-là, pendant que je les avais trouvés sur toi. Je ne fais pas venir avec eux. Je ne les avais pas donné leur numéro. Je les ai considérés tous comme policiers, comme je les avais rencontrés, mon général. Avez-vous, vous êtes doté, vous recevez la ration, et s'il arrive que la ration que vous devez recevoir mensuellement, vous recevez 50 sacs. Il arrive que ce mois, vous n'en avez reçu que 10. Vous faites quoi? Cette anomalie, parce que je vous informe, il est interdit de recruter des personnes d'une même souche ethnique, religieuse, raciale. Vous, en tant que commandant, vous arrivez, vous trouvez que il y a une situation, ça doit attirer votre attention. Vous ne pouvez pas développer de votre hiérarchie que j'ai trouvé une situation qui pour moi ne me paraît pas normale. Je peux me répéter en disant que ces policiers, certains policiers de cette morphologie dont les questions qui étaient dans ce détachement, je les avais trouvés là-bas. Si on me pose la question, qui les avait recrutés, qui les avait donné les numéros de ma petite, en tout cas, à mon niveau, je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Où vous avez dit que ces policiers, dans la plupart, étaient les anciens du CNDP-LM23. Répondez-vous. J'avais dit, compte tenu de la situation que nous tous nous connaissons, l'évolution même politique, avec le fameux brassage, mixage et intégration, on ne pouvait pas se dépasser de ça. Et c'est pourquoi j'avais dit, dans cette unité, il y avait aussi quelques éléments qui étaient des ex-jeunes de fait. Parce que j'avais juré de dire la vérité à la justice comme on me posait la question. Je n'avais rien à cacher parce que je suis clair que je voulais que peut-être c'est la justice pour savoir pourquoi c'est déjà été intégré. Arubaï a SMB. Vous avez dit dans vos déclarations que vous l'avez dit qu'il y a ici, que avant l'entrée du M23, vous avez été instruit, vous avec votre unité, de vous replier sur ça que je pense. Oui, moi je l'ai. Quand vous avez replié, qu'avez-vous fait des armes qui étaient dotées à votre unité? J'ai replié avec tous les éléments vers l'endroit indiqué par la hiérarchie. Je suis venu avec toutes les armes et tous les éléments qui étaient à ma disposition jusqu'à l'endroit où on m'avait demandé de nous contacter le nombre que je vous avais cité.
Et quand vous êtes rentré, les effectifs de vos policiers, de vos détachements, étaient de combien quand vous êtes arrivé à l'endroit indiqué? Je suis arrivé à l'endroit indiqué avec 68 policiers, parce qu'il y avait qui étaient déjà désengagés. Donc, ils étaient sur les défaites, mais ils n'étaient pas avec nous lorsque nous avons quitté l'endroit où nous étions. Parce qu'ils étaient dans des défaites précédentes, mais à ce moment-là, ils n'étaient plus venus. Donc, quand je regroupais les policiers. Quelles sont ces unités qu'ils ont regagnées, dans lesquelles ils ont le projet fini? Et ils étaient rentrés. Mais pas que vous étiez rentré à ça qu'il y a. Oui. Mais ils étaient déjà dans les groupes et des sections et les détachements que nous étions en train de commander. Ça m'étonner, me surprendre parce que je ne comprends pas comment un policier peut se permettre d'aller rejoindre un mouvement insurrectionnel. Ça ne vous a pas surpris que une unité de police soit constituée des anciens éléments rebelles? Ça ne vous a pas surpris? Mon général, je pense bien que vous êtes les chevronnés. Vous savez la réalité de notre pays plus que moi. C'est ce que moi je disais. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, mon général, que je n'avais ni force ni pouvoir de dire que je chasse tel ou tel élément dans mon unité. Je n'avais pas la force ni pouvoir. Elle a retrouvé dans le camp où vous étiez des armes lourdes, notamment 3 RPG 7 mm, 7 plutôt, barre dans 5 mm, 2 carabines MK18, 2 STG-44, un fusil d'assaut marque Armand, 3 PKM mitrailleuses. D'où venaient ces armes? Parce que vous venez de dire ici que votre dotation était constituée de l'AK-47 et de vos gardes. Je voudrais vous répondre d'abord en vous expliquant que cette délégation où policiers était venue, c'est moi qui l'avais reçu. Et avant de procéder à la perquisition, ils m'avaient présenté leur ordre de mission et le mandat de perquisition. Ils m'avaient posé la question de savoir quelles sont les armes que nous utilisons. Je les avais répondu tel que je venais de vous répondre à Sper, mon général. Sur les mandats de perquisition, c'était bien mentionné d'arrêter et saisir toutes choses qu'ils trouveront suspectes dans cette concession. Et peut-être je pouvais faire poser une question de savoir comment les gens qui étaient venus pour perquisitionner et se saisir et saisir tout ce qui était illégal, ils pouvaient laisser les armes qui n'étaient pas figurés sur les bulletins de service parce qu'ils avaient fait connaissance aussi de notre bulletin de service et même de la situation armement que nous avions. Vous les avez reçus, ils ont travaillé, ils ont découvert des armes, c'est ça? Non, mon général, il n'y avait pas des armes telles qu'on venait de les dire ici. Je peux donner peut-être l'éclaircissement à ces prêts. Il y a un endroit où nous étions basés comme policiers. Dans la même concession, il y avait un campement de militaires. C'est moi qui ai mis à la disposition de cette commission les policiers. Parce qu'ils avaient au moins un plateau de PM. J'avais renforcé avec les policiers et moi-même j'étais du parti. Je les avais aussi accompagnés jusqu'à ce qu'ils m'invitaient tout endroit où ils voulaient perquisitionner. C'est dans le cas des militaires
qui était dans cette concession où nous avons trouvé quelques militaires qui avaient ces armes en main, mais pas dans le cas des policiers. Et qui avait installé ces militaires dans cet espace-là, au sein de la concession? Vous, le commandant de la sécurité, ou quel autre? Mon général, nous, nous sommes de la police. Il y a aussi les autorités de la FARDC. Non, mais qui? La question est claire. La police, chargée de la mission de sécurisation, et d'autre part, l'armée, qui était chargée de la même mission. Quand il y avait déjà des menaces et des attaques contre les installations, nous avons fait une lettre dans laquelle nous avons dit à notre hiérarchie que nous n'étions plus en mesure de faire face à cette menace qui venait. Nous avons demandé si on pouvait nous renforcer, et c'est là où on avait déployer cette unité qui était venue pour un moment, mais après, ils étaient rentrés. La question de CNES est arrivée, elle vous a approché, elle a présenté les documents qu'elle avait relativement à la mission, n'est-ce pas? Vous venez de le dire? Si. Et lorsque cette unité de militaires est arrivée, le commandant vous avait-il présenté un quelconque document? Nous avons fait descendre dans le camp. Et d'ailleurs, je me souviens que nous n'avons pas rencontré le commandant sur place. Celui qui était venu, oui, avant que ce militaire, je n'avais pas fait connaissance de leur document. L'équipe de CNES vous présente des documents. Et ces PEM là venaient d'où? Non, les PEM que vous aviez, les militaires, autant pour nous, vous avez raison, toutes nos excuses. Les militaires que vous aviez découverts dans la concession, ils venaient d'où? Je disais, ils venaient du 34e régiment militaire. Bon, comment pouvez-vous justifier ce qui vient de Kinshasa, mandaté par l'autorité nationale, vous présente les documents et l'équipe de les militaires venant de la 34e région, autorité provinciale, ne vous ait rien présenté comme document, qu'ils se sont installés de leur propre chef et ont commencé à opérer jusqu'à ce que vous-même vous vous déplaciez jusqu'à leur campement afin de vous rendre compte de leur arrivée. Mon général, ces militaires, ils étaient venus pendant que nous avons montré notre faiblesse vis-à-vis de ces attaques. Donc c'est sur votre propre demande. Nous avons écrit à notre hiérarchie de police que nous étions maintenant incapables, que nous étions déjà incapables de... Votre honneur, il y a une demande naturelle, il y a les confrères de l'autre côté qui ont sollicité que l'honorable... Peut-être la question exprimer un besoin. Vous avez exprimé vos limites à la hiérarchie. Et c'est sur base de cette demande que l'armée est venue en renfort. C'est à peu près cela. C'était en 2020, vers la fin, je pense. C'est là où nous avons fait cette demande. Et les militaires ont fait combien de temps? Je pense qu'ils ont fait 6 mois, si je m'abuse. Et la délégation de la CNES est arrivée à peu près à quelle période? La délégation était venue
On nous a dit que c'était au mois de mai. On vous a dit que c'est... Non, moi je n'ai pas les documents, mon général. Vous avez dit que vous l'avez reçu. Oui, je l'avais reçu. Bon. Retenir toutes les dates, ce n'est pas facile quand on ne va pas quelque part. Quand il n'y a pas de référence, retenir toutes les dates, ce n'est pas facile. C'est possible. Vous étiez commandant. J'étais commandant adjoint. Commandant adjoint. Exactement de quoi il était exactement reproché. Voilà que, en posant des questions, votre honneur, nous venons de comprendre certaines choses. Nous voulons faire observer à votre cour que lorsque la police dont mon client était commandant a quitté le 7 juillet là, le 25. Après leur départ, il y a eu les FADC qui a été aussi mis sur terrain pour sécuriser le même lieu parce qu'il y avait l'avancée du M23. Et ils ont fait 19 jours dans ces instants. C'est-à-dire du 7 au 25, ces installations étaient entre les mains des FADC. Nous voulons que ça soit acté. Parce qu'on croirait que lorsque la police a quitté, c'était resté vide. Alors, c'est lorsque la police a quitté, remplacée par les FRDC, après les 25 du même mois, les FRDC étaient aussi partis. Ce qui a fait que les installations étaient restées, que ce soit noté, sans garde ni sécurité, les exposant à toute aventure criminelle. Monsieur le Président, nous voulons aussi manifester notre inquiétude. Selon qu'à tout moment, nous nous trouvons en face des préventions qui changent à tout moment. Je prends l'exemple. Lorsque le ministère public a présenté notre client ici, il a dit que pour le deuxième prévenu, on peut retenir, je retiens encore le mot, on peut une supposition, on peut retenir l'infraction de trahison. Mais tout à l'heure, avant que vous puissiez commencer à poser les questions, vous avez informé à mon client qu'il est poursuivi en complicité. Monsieur le Président, nous nous demandons complicité dans quelle infraction? C'est toujours la trahison ou l'espionnage? S'il vous plaît, une complicité, c'est une qualification. Mode d'opération dans une infraction. Voilà, merci, monsieur le Président. Alors, si tel est le cas, dans ce mode d'opération dans une infraction, il faut que la Cour maintenant puisse nous dire il s'agit de quelle infraction dont il est complice, monsieur le Président. Parce qu'en trouvant les charges retenues au premier prévenu, l'honorable, on n'a pas trouvé la trahison à l'intérieur. On parle là-bas d'espionnage. Et dans toutes les infractions, les préventions retenues, nous n'avons pas trouvé ça. Alors lorsque la Cour nous informe qu'il y a complicité, nous voulons savoir cette complicité, c'est par rapport à quelle infraction. Ça, nous voulons faire observer à la Cour. Monsieur le Président. La haute Cour militaire est saisie des faits flagrants. La procédure est la flagrance. Le ministère public n'a qualifié, n'a retenu aucune infraction. C'est la flagrance. Et lorsqu'il y a flagrance, les dispositions qui ont été contestées par le prévenu honorablement Mangatutu et ses conseils à la Cour constitutionnelle renseigne que le ministère amène devant le juge les personnes et expose les faits. C'est la Cour, c'est le juge qui va déterminer les infractions au vu des faits avérés. Nous le savons tous. Et ça a été dit à la dernière audience. Ne venez pas dire que non, on a retenu telle infraction pour
l'honorable mandat Chouchou, et il est dit par la Cour que c'est en complicité. Et vous le savez très bien, il est dit dans l'ordonnance qui régit la flagrance que même les témoins, les personnes trouvées sur le lieu sont amenés devant le juge. Nous le savons tous. Et les juges mènent des instruits et il met des responsabilités sur tel afin de pouvoir les poursuivre lorsque les faits ont été portés à sa connaissance. Jusqu'à présent, la haute cour n'est qu'au stade de décortiquer les faits. Aucune qualification n'est encore retenue. À moins que le ministère public qui demande la parole. Il a insisté que ces faits peuvent. Il a dit, il a répété, peuvent. En matière de flagrance, parce qu'on ne va pas amener devant un juge pénal quelqu'un qui est pour des faits civils. Donc les faits sont supposés être infractionnels. Le ministère public estime que ces faits-là, qui sont flagrants, sont infractionnels. Et pour cela, nous en saisissons les juges, nous l'amenons devant les juges pour des faits infractionnels. Et cette qualification, déjà nous l'avons déjà dit, déjà dans la procédure ordinaire, où il y a un contrat judiciaire, les juges ne saisissent que des faits, il n'est pas tenu par la qualification faite, donnée au fait par le ministère public, déjà dans la procédure ordinaire, a fortiori dans la procédure de flagrance. Ce sont les faits. Et nous avons bien dit, heureusement que vous l'avez répété, que ces faits-là peuvent, voilà pourquoi nous avons dit, parce que ces faits-là peuvent être qualifiés de trahison. Ensuite, parce que vous avez demandé, nous voulons être plus clairs. Je leur ai dit, mais est-ce que cette complicité, mais cette infraction, nous avons dit que l'honorable Mouratou peut être poursuivi pour espionnage. Vous avez vu que la Cour a commencé par chercher à l'identifier avant sa nationalité. Et nous vous avons dit que cet élément de nationalité va déterminer la Cour à poursuivre le Mouratou pour trahison ou pour espionnage. Donc, si jamais il y avait complicité entre le prévenu Chamalibre et le prévenu Mouanga Tutu. Si Mouanga Tutu, il est démontré qu'il est national, c'est un Congolais, ça sera la trahison dont la complicité est à lui. Et si il n'est pas démontré qu'il est Congolais, qu'il n'est pas, qu'il est étranger, c'est l'espionnage. Et quand un Congolais participe avec un étranger, pendant que l'étranger commet l'espionnage, ce Congolais-là, c'est la trahison. Nous sommes assez clairs dans ce point. Complicité voudrait qu'il y ait une infraction principale. Pour que nous puissions nous préparer aussi, parce que c'est une instruction déjà qui commence. Nous devons savoir que cette instruction se fait sur base de telles reproches. Et c'est là aussi, en instruisant, nous saurons dans quelle mesure on peut aussi organiser notre défense. Alors, comme la Cour a dit, il est dans le fait, dans les recherches, nous disons, mais on est en train de faire observer, et les confrères vont me compléter, nous faisons observer, Monsieur le Président, que, en complétant notre client, que, Monsieur le Président, si les législateurs congolais avaient voulu que les militaires et les policiers soient jugés par des verts, un commandant qui est en place, ça soit noté, il a trouvé les policiers qui étaient sur place. Les recruteurs de policiers, ce n'est pas lui, Monsieur le Président. Et il a bien dit, dans ce que le ministère public a dit, que c'est sur la morphologie qu'il a vu que celui-ci peut être un Rwandais. Et maintenant, même s'il découvre que celui-ci peut être un Rwandais, c'est à lui d'aller dire que quitte la police. Mais non, Monsieur le Président, que ça soit noté que notre... Tu es encore présent. Je n'ai pas dit que c'est sur la morphologie que j'ai su que tel est Rwandais. La Cour n'avait pris acte, mais c'est votre conseil. J'avais bien dit dans mon interrogatoire qu'il y avait des policiers
à morphologie rwandaise n'est pas déjà connu qui sont rwandais par leur morphologie. Par la haute cour très intéressante et très enrichissante. Mais de fait pour la partie prévenue, de fait semblant, et la République a retenu quelques points essentiels. Entre autres, le fait pour la partie prévenue de feindre de ne pas connaître l'honorable Mwangachuki dès le départ, et par après, la même partie a mené des démarches pour rencontrer l'honorable Mwangachuki pour résoudre les problèmes de paiement des agents de la police nationale congolaise. Des deux, il s'est posé un problème par rapport au bulletin de service. Je pense qu'on appelle ça bulletin de service. Voilà. On a posé la question à la partie prévenue de dire exactement et réellement l'objet que portait ce bulletin de service, ainsi que la consigne ou les consignes particulières. Et cela a retenu notre attention. Lorsque la partie prévenue, il dit voilà, il m'était demandé d'identifier, de sécuriser, c'est ça la mission principale, de sécuriser les sites miniers, c'est-à-dire procéder à la sécurisation de la mine ainsi que le périmètre de la mine. Et des deux, comme consigne particulière, de pouvoir identifier les éléments irréguliers. Et dans cette mission, dans l'accomplissement de cette mission, il aurait identifié deux éléments irréguliers. Maintenant, la préoccupation de la République démocratique du Congo. La partie prévenue, qui avait un bulletin de service et qui connaissait que la CLD appartenait à un certain Ben Mwangachuki, qui serait le frère de l'honorable Mwangachuki. Mais ne s'est pas adressé par rapport au problème de paiement ou d'impaiement au directeur général de cette société, mais a trouvé bon de pouvoir s'adresser à un parlementaire. La partie prévenue, c'est un intellectuel. Peut-elle dire à la cour quelle est la mission des parlementaires? Je pense que parmi ces missions, c'est de légiférer, voter les lois et aussi plaider les causes de la population, surtout de sa base. Mais sur le terrain, les députés font beaucoup de choses et de fait dans plusieurs domaines. Surtout quand il y a des problèmes qu'on les amène, ils essaient de chercher des solutions. Contre de la RDC. Il y a d'énormes contradictions lorsque suivre la déclaration du président. À la question posée de savoir, existe-t-il un contrat entre la société privée que vous étiez chargé de surveiller et les patrons de la société qui se concerne le paiement? Il a dit non, je n'ai pas connaissance de tel contrat. Mais lui qui n'a pas connaissance d'une obligation quelconque, une obligation financière vis-à-vis de la société, se permet d'aller chercher l'honorable mandat de tout pour faire pression sur un paiement. Et ensuite, il reconnaît qu'il y avait un prime, une prime, sans soubassement. Et il a affirmé qu'il y avait un paiement occulte entre l'honorable Mwangachuki et les éléments qui étaient postés à la sécurité. Il répond d'abord ou... Non. Je pense que le monsieur l'avocat n'a pas bien suivi cette... la République, quoi.
ce que j'ai dit. Je n'ai jamais accédé à ces documents pour les lire. Dire ça, ce n'est pas dire que j'ai nié qu'il n'existait pas les contrats. C'est-à-dire que je n'avais pas eu la chance de lire ces documents, de les contrats qui liaient la police et la société. Et aussi, pour la question de savoir s'il y avait un paiement au culte que Manga Tutu, honorable Manga Tutu, faisait pour les policiers, j'ai dit non, parce que les 100 dollars que je disais, quand on recevait ça auprès du comptable de la société, on signait sur un billet de paix et puis il rentrait avec. Traditoirement, comme nous sommes en garde, on avait pratiqué deux séances par semaine, au vendredi. Et j'entrevois déjà la préoccupation des autres. Ils ont exprimé leur demande, ils veulent bien s'exprimer, ça va se faire le vendredi. Ceci dit, la pause est renvoyée contradictoirement au vendredi. Avoir une réponse claire et précise avec mission d'authentifier d'abord le document et d'interpréter un peu le code qui est, si c'est possible. Monsieur le président de l'autre cours militaire, mon général, dans ce sens, Armortier, report. Sors, mon général. Nous avons